Ça bug. Je crois que c'est bon. Et quand je vous dis Ramadan, il met de ses KO. Waouh. J'en suis sûr, je vous fais. Vous allez sentir. Bien quoi la mif. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner une vidéo sur les cassos, comme vous avez pu le voir dans le titre, comme moi. Quand je dis cassos, bien sûr, c'est au sens large. Hein. C'est genre les gens qui foutent la merde, quoi. Bien sûr, je critique personne ou je vise personne dans cette vidéo. Hein. C'est du pur humour, c'est tout. Après, dans le fond, on est tous un peu cassos. Hein. On a tous fait des trucs de cassos dans notre life. Ça, je vous le dis. Bien sûr, comme d'hab, juste avant de commencer cette vidéo, grosse force à Maynoul et Diana de Paris, Najib de Mulhouse, Ramzi Bekchi de Tlemcen et Aya Lamis de Corse. Merci la mif. Alors déjà pour commencer, tout cassos, tu sais pas ce qu'il a, mais il est vénère. Et toi tu me colles. J'arrive pas à respirer, pousse-toi. Tu me colles frère, pousse-toi. Et pousse pas les gens comme ça, tu crois que je suis ton pote moi ou quoi? Allez vas-y enlève tes jambes là. Tu fais quoi ici toi? Ouais. Eh hey, on te parle. Viens, viens, viens. Vieux mec, vas-y, tu parles à qui comme ça? Eh hey, je me lève, je te défonce. D'accord. Je t'accroche sur le poteau. Ah, c'est à cause de toi les petits mouhagars frère. Personne nous respecte. Eh hey, ma mère elle dit on est des cassos, on est pas des cassos. On est pas des cassos. Ouais, il y a un policier. Ouais. Ça ouf. Tu passes comme ça. Vas-y, vas-y, casse-toi. Y'a plus peur ? On joue plus ? Oh mais il est complètement taré hein, la personne elle lui a rien fait, il insulte. Ça pour moi c'est un truc de cassos. En plus c'est démodé, wesh, qui fait des trucs comme ça encore aujourd'hui? Ouais. De toute façon on se bat pas après toi. Ouais t'as fait, je Mais arrête ton téléphone, passe-moi ton téléphone, passe-moi ton téléphone. Arrête de parler ouf, moi je te le dis, moi je suis pas. Ok d'accord. Quand je te prends ton téléphone, je suis terre. Allez, fais le malin maintenant, fais le malin. Il est là. Je voulais mon téléphone. Vas-y, 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 on se casse là. On court, vas-y, viens, cours. Viens, cours, cours. Toi, cours, cours, cours. Viens, moi, je cours. C'est un ouf. Il veut pas me donner mon téléphone. Ça, c'est mon téléphone, ça. Quoi? Il fait vraiment chaud, hein. Il fait beau, en plus. Tu veux voler mon sac? Oh, c'est quoi cette femme? Tu veux voler mon sac? Donne le sac! Casse-toi! Vole mon sac! Ah, vole mon sac! Tu veux faire voler à l'arraché? Attends, je t'arrache la tête! Toi, tu veux faire voler à l'arraché? Tu veux faire voler à l'arraché? Tu veux faire voler à l'arraché? Tu crois que je suis un bouffon, moi? Tu veux faire voler? Allez, casse-toi! Mon Charles! Il vient, il veut me cambrioler, il veut me voler! C'est malade, tu sais, hein! Tu es un malade? Ah ouais, faut pas faire des trucs comme ça, tu sais jamais sur qui tu peux tomber, la personne elle peut être wet. Ma mère, une fois on a essayé de lui voler son portable, elle l'a incendié devant tout le monde. Elle l'a cramé, moi j'étais pas là, sinon on aurait sauté. Alors les gens comme ça, non seulement vous êtes des cassos, mais en plus vous faites pitié. Poula poula. J'en ai marre de cette vie. Là ici c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Juste, maman elle t'a dit fais la vaisselle. Elle a dit quoi? Elle a dit tu fais la vaisselle. Hey, comment ça tu dis fat, tu fais la vaisselle? Qu'est-ce qu'il est? Fais le mec là, le clochard. Tu m'as toi? Hey, moi je rigole pas avec vous, moi je peux vous gifler. Les gens t'en âge, ils sont mariés, ils ont des enfants. 40 ans encore cool à moi. Je vais faire le pas. Même à 60 ans, je me marie. Toi ferme-la, toi. Toi ferme-la, toi. Je me marie pas, moi je porte du vitesse. Hey, j'ai 40 piges. Même à 60 ans, je me marie. J'ai rien à foutre. Tu vas pas faire la vaisselle? Ok. J'ai brûlé tout, dis-moi. Mais t'es pas capable, qu'est-ce que tu vas brûler, toi? C'est moi, je vais brûler tes affaires. Je suis pas. Qu'est-ce que tu vas brûler tant que tu parles, Moi, je suis pas capable. T'agis pas. Moi, je brûle pas ses affaires. Moi, je brûle pas. Je brûle tout. T'es où là? Pourquoi ça sent le cramé là? Genre là, t'es en train de. Mais non, mais maman, je te jure, s'il te plaît, brûle pas mes affaires. J'ai rien à foutre. Arrête, je te jure, j'arrête, je recommence. Voilà, mais non, maman, voilà, tu m'as laissé une blague. Maman. Le licence. Et je brûle tout. J'ai rien à foutre, je brûle tout. Attends, je vais chercher le boucher. Non, s'il te plaît, prends pas mes affaires là-bas, s'il te plaît. Non, maman. Oh ouais, non mais c'est ridicule, hein. Les gens de ton âge ils ont des gosses, t'es là tu parles mal à ta mère. T'as rien capté à la vie toi. Alors y'a un truc que j'aime bien, c'est encourager les gens qui veulent se lancer dans le milieu artistique. Que ce soit la musique, l'humour, le cinéma. Quand t'as pas de talent, force up. Bon les gars, aujourd'hui je vous ai réunis, je voulais vous parler d'un projet, ça me tient grave à cœur. Je te parle. Ouais je sais quoi. Ouais j'arrête des conneries, je te parle, t'es là, t'as tes écouteurs. C'est du manque de respect. J'ai tout le temps de la merde frère. Vas-y vas-y, on va voir si je vais te dire de la merde. Là tu vas fermer ta bouche. Je suis sur un vrai projet et je voulais vous le faire écouter. Hey, vous êtes prêts? Ouais. J'ai bossé dessus, hein, mais sévère. J'ai toujours aimé la cité. Ouais. Où j'ai grandi, où j'ai meurflé. Personne peut m'arrêter. Avec mes gars toujours à mes côtés. J'aime beaucoup ce que tu fais, gros. Billets violets, poula dans vos têtes. Alors, vous en pensez quoi? Je pense que c'est de la patate, frère. Je vais percer ou pas? Eh, hey, j'ai galéré. Là, j'ai envie de me lancer dans le rap. Pour moi, j'ai un vrai talent. Je conseille, eh, va bosser ça, frère. Mais bosse en solo. Vas-y. Vas-y, ça marche. Ouais. Va bosser ça. Ça marche, les gars. Merci, hein. Vous donnez de la force, j'étais vrai. Vas-y, je te ferai une pub. Il croit qu'elle va percer. On laisse-le. Allez, dis-moi, c'est ça, viens me voir là. Attends. Eh, gros, j'ai un truc à te faire écouter, moi aussi. Alors, vas-y, fais-moi écouter. Arrête. Non, il y a des mecs qui chantent aussi. Arrête, frère, sois bonhomme, frère, chanteur. Tu railles, mon frère, chanteur. Ça, c'est un truc de cassos. T'es là, tu t'as pas de talent, tu veux te lancer et tout. J'arrête tes conneries. Ça aussi, c'est démodé. Hein. En 2018, faut plus faire des trucs comme ça. Ça fait pitié. Travaille comme tout le monde et fais pas chier.
c'est bon. Pierre, c'est pour moi, ça. Ça, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est pour moi. Je t'ai serré, moi. Non, mais grave, on va faire un braquo, gros, wesh. Ça va, tu tiens, allez, prends ça. Je veux pas en prendre. Bon, je t'explique le topo. C'est des riches, ça fait 2 semaines que je les surveille. C'est sûr, il y aura des trucs. Ok, c'est des riches qui vont dans un chien. C'est sûr, c'est de la merde, tant que l'on. Non, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Arrête de me regarder ça, on dirait ma cousine. Pierre, c'est bon, je te dis. T'es agressif? Mais j'aime bien, je trouve ça succès. Tu veux me draguer? Je veux pas te draguer, je suis en train de cambrioler là, qu'est-ce que je fais là? Cambrer quoi? Cambrioler, je cherche l'argent. Tu peux m'aider s'il te plaît? Oui, t'inquiète, petit mignon. Tu veux dormir avec moi? Allez, crois-moi. Mais viens ici, mais je trouve ça succès. Laisse-moi tranquille. On t'a pris. Moi je te parle avec qui, frère? C'est une meuf, c'est une autre histoire. Laisse tomber, regarde, j'ai trouvé des portables, parce qu'elle parce à quelle vie. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est pour toi, frère! Mais gros, c'est ramadan, c'est haram! Mais on est en train de faire un braco, t'es con quoi, attention! Ah, vas-y, viens, prends ça par le cœur! Je suis choqué! Il est en train de cambrioler chez moi! La perquisition aujourd'hui, cambriolage! Je te dis, t'es. Dégage! Boule! La boule, elle a tout tué, la boule! Attends, j'arrive! Regarde, c'est mon nez! J'avais dit de pas venir ici! Putain, comment ça, tu m'as mis dans une merde! Vous êtes mort! Où tu vas? Enlève ça! Toi, qu'est-ce qui t'a pris le masque? Tu prends. Une petite fille, donne-moi ton portefeuille, je prends tout, j'ai rien à foutre. Ton portefeuille, il est où ton portefeuille? Tu passes tout, tu passes chez François Hollande ici. L'argent, je prends tout. Maintenant tu casses d'ici, dégage. Toi, tu te casses, casse-toi d'ici. Lève-toi. J'ai rien à savoir. Je voulais des esprits. Dégage, tu comprends rien chez moi toi. Non, attention, y'a pas que des mecs qui font ça, y'a des meufs aussi. Hein. Mais le jour où vous allez tomber sur quelqu'un, il sera dans la baraque et vous êtes pas au courant, vous allez vous faire défoncer. Non, parce qu'il y en a, ils se sont déjà fait marave à cause de ça. Hein, par un voisin ou quoi. Ça, c'est un truc, personnellement, je l'ai déjà fait. On parle pas de bouffe, s'il te plaît. J'ai trop faim. Ça vous dit pas, on commande un truc ou quoi? T'as de l'argent pour commander, frère? Je tire, j'ai combien? Depuis quand t'as du zay, toi? C'est toujours moi qui mets du zay, hein. Vous mettez jamais rien. Vous. Moi, les gars, une caisse de 10. J'ai mis trop de témoins pour ça. Moi, j'ai 1,50€ maintenant. Moi, j'ai. Attends. Moi, j'ai fait du babysitting tout à l'heure. Ouais, t'as cru que c'était les pièces jaunes ici ou quoi? T'es là, tu donnes de la ferraille, mon frère. C'est ça qui va nous permettre. Ouais, je mets un billet au moins. Vas-y. T'as fait du babysitting? Moi, j'ai. Elle t'a arnaqué? Ouais, de ouf. Pourquoi t'as fait du babysitting? T'as fait avec les pièces jaunes. Toi, fais pas genre. Arrête de faire carré, frère. Tout à l'heure, je t'ai vu, t'avais un billet 10. Non, en vrai, ouais. Vas-y, Simon, ça. Ça le chleur. On verra si tu vas manger. Va acheter, toi. Parce que t'es le plus petit, vas-y. Vas-y. Va. Mais Mac first. Et prends du poisson, hein. On mange clé. Par contre, là, ça fait quand même 20 minutes qu'il est parti. Je sais pas, il est parti acheter où son McDo, mais ça commence à me gonfler. Je sais pas comment je suis là. Il y avait v'là les embouteillages, c'est un truc de ouf. Mais t'es parti avec le scout à qui, toi? Avec le scout de Anis. Ça va, frère? Bah ouais. Ouais, vas-y, attends le crevard là, je vais flipper. T'as mis 20 centimes. Ouais, calmez-vous, mon frère. Il a même pas mis un centime, il vient, il mange. Je suis choqué. Donne-lui des sauces. Bidouam, toi là, maman, tu manges même pas la salade qui reste. Vous me laissez pas manger, moi. Vas-y, t'as mis 10 centimes, t'as dit c'était baby sitting. C'est lent. Oh, lui, une vénère, il a la dalle. Mais vas-y, mais tu vas. Attention, c'était pas maintenant. C'était quand j'étais au collège, à l'ancienne. On mettait tous 20, 15 centimes. On cotisait, bim, on se tapait un grec. Ça, je l'ai déjà fait, mais je sais pas combien de fois quand j'étais petit. Je sais, c'est pas bien, mais. Ils sont là-bas. Fais pas cramer, on les prend. Bim, bim, direct, on se taille après. Ils sont bizarres, ces deux-là. Prends, mais tu fais pas retard, ok? Allez hop, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ouais. J'ai mal au ventre. C'est quoi ça? J'ai mal au ventre. T'es pas ramadan, vous? Mal au ventre. Ta tête à quoi ici, là? Ton ramadan, il est où, ton ramadan, toi? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Il a la taille, mon frère. En pas de temps de carrière avec moi que droit de voler ici, d'accord? C'est pas des petits cassos qui vont venir faire la loi.
Je l'ai déjà fait quand j'étais petit, mais attention, c'était pour rigoler. Et voilà, Mif, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Si vous avez des idées ou quoi, vous voulez que je traite un sujet en particulier ou quoi, dites-le moi aussi en commentaire. N'oubliez pas comme d'hab de vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici, hein, ma tête va apparaître ici. Prenez soin de vous et je vous kiffe la Mif. Ciao. Je suis arrivé, qu'est-ce que tu fais ici? Coupe.